De l'ordre dans les documents de l'administration municipale de la mairie de Porto-Nouveau, la direction nationale des archives du Bénin vole au secours de la municipalité ce mardi 2 avril 2024 avec des équipements adéquats pour la sauvegarde et la conservation de ces archives. Notre présence ici ce matin n'est que la suite logique de tout le travail que nous avons entamé depuis, suite logique consistant à les appuyer en matériel de conservation et de conditionnement des archives, à les appuyer en fourniture de traitement des archives, mais aussi à recueillir les besoins, parce que les besoins, les difficultés ne manquent pas. Donc nous aurons tout à l'heure à parcourir les différents services, les services qui recueillent les archives, notamment les magasins de conservation, les différents services réputés un peu papyracier, notamment le service d'état civil, le service des affaires domaniales, pour ne citer que ces deux-là, pour inventorier un peu, évaluer également la masse documentaire et entrevoir avec les services compétents, notamment la direction des systèmes d'information, pour envisager avec eux les voies et moyens d'amorcer cette transformation numérique des archives auxquelles le gouvernement tient à travers le pilier du programme d'action du gouvernement. Les archives de la mairie de Porto-Nouveau seront donc désormais conservées suivant les normes réglementées en République du Bénin et ce, grâce à ces différents matériels de sauvegarde offerts par la direction nationale. Une offre qui fait suite à la formation des archivistes de la mairie dans la même optique. Les actes politico-administratifs de la municipalité leur en savent gré. Merci pour vos appuis, parce que nous avons commencé par vous sentir depuis l'année passée à travers les formations. Nous sommes vraiment ravis et vous continuez encore à accompagner la municipalité de Porto-Nouveau. Ça fait notre fierté. Ça contribue vraiment à l'harmonisation et au développement de notre ville. Donc, au nom de mon maire, vraiment empêché, je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, dans un ordre remarquable, les archives de la mairie migrent également peu à peu vers la transformation numérique des archives au Bénin.